Alors bonjour à tous et bonjour à toutes, je me présente, je m'appelle Gérard Zilliox, Z-I-2-L-I-O-X. Et pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la généalogie et à l'origine des noms, eh bien sachez que mon patronyme est un dérivé orthographique d'un prénom de saint. Cela vient de Saint Cyriac, Cyriacus en allemand. Ma famille, quant à elle, est d'origine alsacienne, puisque d'après les recherches que j'ai pu mener depuis quelques années, eh bien, nous sommes restés dans un petit village au nord de Strasbourg, qui s'appelle Weyersheim, de 1640 jusqu'à 1870. En ce qui me concerne, je suis né à Remiremont dans les Vosges, Remiremont la coquette, Remiremont la belle des Vosges, où mon arrière-grand-père François-Joseph est venu lui-même s'installer en 1870, alors que l'Alsace était devenue allemande et qu'il ne voulait pas faire son service militaire sous le joug allemand. Voilà pour la partie patronymique, généalogique. Si je vous parle maintenant succinctement de mes études et de ma carrière, eh bien sachez que j'ai réalisé mes études supérieures à Nancy, une ville que je connais bien donc et que j'apprécie. J'ai passé 2 ans au lycée Henri Poincaré, où j'ai fait mes classes préparatoires aux hautes études commerciales. Et puis j'ai intégré ensuite l'Institut commercial de Nancy, qui, comme vous le savez, est devenu aujourd'hui l'une des plus belles écoles de commerce de France. Ma carrière professionnelle, eh bien, je l'ai effectuée à 100% dans une très belle entreprise du CAC 40, la société Legrand, qui est leader mondial des infrastructures électriques et numériques, et dans lesquelles j'ai pu occuper des fonctions de commercial et des fonctions de marketing qui m'ont permis de développer mon goût pour les recherches, les analyses, les synthèses, et puisque l'on parle d'un ouvrage, pour l'écrit. Mais le plus important peut-être à partager avec vous, c'est de vous dire que je suis fils et petit-fils de marionnettiste guignol, puisque mon père Jacques et mon grand-père Jean ont effectivement animé la célèbre troupe itinérante du Guignol de France de 1935 à 1994 dans tout l'est de la France et bien évidemment à Nancy également. Alors lorsque vous êtes fils et petit-fils de marionnettiste, eh bien vous êtes forcément imprégné par cette vie de saltimbanque et par ces très belles histoires que savent si bien vous raconter vos parents. Et c'est bien cette passion que j'essaie de vous faire découvrir dans mon ouvrage. Alors, de quoi parle mon ouvrage? Eh bien, comme son titre l'indique, l'histoire de Guignol à Nancy relate l'arrivée et l'implantation de la célèbre marionnette dans la capitale des ducs de Lorraine. Comme vous le savez probablement, Guignol est né à Lyon vers 1808 de l'imagination fertile d'un ouvrier en soie, Laurent Mourguet, qui un jour, face aux terribles crises de la soierie lyonnaise, décida de se reconvertir. Il devint alors marionnettiste, avec son personnage fétiche, Guignol, qui devint très rapidement le porte-parole de la profession des ouvriers en soie, des canuts, à une époque où la presse était particulièrement muselée. Et le succès de Guignol fut si fort et si foudroyant que Napoléon III lui-même tenta de lui imposer une censure draconienne. Mais en vain, il était trop tard. Les troupes de marionnettes Guignol ne firent que se multiplier, et Guignol lui-même, rapidement, quitta la célèbre ville de Lyon pour aller conquérir la France entière. L'ouvrage commence, l'histoire de Guignol à Nancy commence à la moitié du 19e siècle, quand ses animateurs ont décidé de développer ses spectacles à Nancy même. Et Guignol sera de toutes les fêtes, de toutes les manifestations, on va le retrouver partout, dans tous les événements qui vont compter alors dans la capitale nancéenne.
Ainsi, il sera l'une des vedettes incontestées de la Foire internationale de Nancy de 1909. Il sera aussi dans tous les cafés, les cafés-concerts. On va le retrouver dans les attractions proposées par la célèbre cure d'air Saint-Antoine de l'abbé Girard, à Nancy Attractions et Nancy Thermales de Louis Lanternier. Et puis bien sûr, il laissera des souvenirs impérissables à la pépinière de Nancy. Ce livre retrace donc les tribulations de Guignol à Nancy en replaçant ses interventions dans le contexte de chacune des époques qu'il va traverser. Alors, comment m'est venue l'idée de concevoir ce livre sur l'histoire de Guignol à Nancy ? Tout d'abord, bien sûr, j'ai été largement imprégné par l'activité marionnette de mes parents qui ont tenu le Castelet de la Pépinière de Nancy de 1935 à 1994. Mais mon père aussi me parlait souvent de son prédécesseur à la Pépinière, Paul Cordier, qui lui-même a joué dans cette enceinte de 1930 à 1950 environ. Et puis, j'avais en tête aussi ces très belles cartes postales anciennes qui valorisaient le succès de Guignol à l'exposition internationale de 1909, mais également à la célèbre cure d'air Saint-Antoine de l'abbé Girard, ou encore à Nancy Thermales et Nancy Attractions de Louis Lanternier. Je me suis donc demandé quand Guignol était arrivé à Nancy et qui étaient les animateurs qui avaient assuré son succès jusqu'à nos jours. J'ai donc décidé de me lancer alors dans de vastes recherches, des recherches très fructueuses, et qui m'ont permis ainsi de rédiger un récit relatant cette fabuleuse histoire. Et en même temps, je me suis rappelé que depuis la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours, c'était quand même des dizaines de milliers de spectateurs qui avaient assisté au spectacle de marionnette Guignol et qui en avaient gardé au fond de leur cœur un excellent souvenir. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité rédiger cet ouvrage. Alors, chers lecteurs, qu'est-ce que je souhaite vous transmettre au travers de cet ouvrage, l'histoire de Guignol à Nancy ? Eh bien, de la passion, tout d'abord. De la passion pour ce merveilleux personnage qu'a été et qu'est toujours Guignol aujourd'hui. La deuxième chose, bien sûr, c'est de raviver dans vos têtes, dans vos cœurs, de bien merveilleux souvenirs. Guignol a marqué plusieurs générations de Nancéens. Les enfants qui assistaient au spectacle dans les années 50 sont eux-mêmes devenus parents, puis grands-parents. Ils ont continué à emmener leurs enfants et leurs petits-enfants au spectacle de marionnettes de la Pépinière de Nancy. J'espère donc que cet ouvrage vous permettra de retrouver ces excellents souvenirs, souvent familiaux. Mais mon récit vise aussi à vous faire découvrir le métier de marionnettiste. Vous connaissez tous l'expression populaire « faire le guignol » qui inclut ou qui sous-entend beaucoup de facilité. À l'opposé, ou bien sûr, de la réalité, puisque être marionnettiste, c'est un véritable métier, passionnant certes, mais très engageant, et qui nécessite énormément de compétences. Il faut d'abord beaucoup de talent. Faire l'artiste, ou faire le guignol, pour reprendre cette expression, nécessite d'avoir un profil d'homme de théâtre. Et puis, il faut aussi être artisan, il faut s'occuper des décors, il faut peindre les marionnettes, il faut imaginer des costumes, et puis travailler bien sûr le répertoire, innover, créer, entreprendre, se renouveler, jouer, se corriger, etc. etc. Que d'investissement pour une heure de spectacle. Donc, ce que je souhaite partager avec vous, eh bien, outre ces bons moments passés avec Guignol, c'est aussi d'honorer la mémoire de tous ces marionnettistes qui sont aujourd'hui méconnus
mais qui ont tant fait pour votre plaisir. Alors, est-ce que j'ai en tête d'autres ouvrages que je souhaiterais faire publier dans un avenir proche? La réponse est parfaitement positive. Je pense tout d'abord sortir un livre sur l'histoire de la troupe de marionnettes de mes parents, une troupe qui s'appelait le Guignol de France et que mes parents ont animé de 1935 à 1994. Nous disposons de toutes les archives de l'entreprise. Il y a, je crois, la matière à sortir un très bel ouvrage qui, une fois encore, pourra intéresser tous les lecteurs et notamment les lecteurs de la région Grand Est et de Nancy, bien évidemment. Le deuxième ouvrage sur lequel j'ai commencé à travailler, c'est un ouvrage qui sera consacré à une troupe qui s'appelait le Guignol Lorrain et qui était patronnée à l'époque, dans les années 20 et 30, par les filatures de l'Est de Lunéville. Une autre approche des spectacles de marionnettes Guignol dans le cadre du paternalisme qui était alors mis en place par donc, les grandes entreprises dans certaines régions françaises. Le troisième ouvrage auquel je pense, c'est un ouvrage qui sera consacré à monsieur et madame Inos, qui étaient eux aussi des animateurs guignols, mais à Limoges cette fois-ci, où ils sont arrivés après la Deuxième Guerre mondiale, et où ils ont proposé donc à la jeunesse donc de Limoges et bien de magnifiques spectacles, qui avaient d'ailleurs la particularité d'être retransmis sur les ondes de Radio Limoges, la radio qui était à l'époque la plus écoutée donc dans la région limousine. Dernier point, puisque je travaille depuis quelques années sur les spectacles de marionnettes guignoles dans les stations thermales françaises, eh bien, je prévois également de réaliser un ouvrage qui permettra d'expliquer comment Guignol et pourquoi Guignol est arrivé dans les stations thermales, ce qu'il y a joué, pendant combien de temps et bien sûr avec quels animateurs, puisque un de mes objectifs en écrivant tous ces ouvrages, c'est de les honorer et de les faire sortir de l'ombre. Voilà, je vous dis donc à très bientôt et je vous tiendrai informé de la sortie de ces futurs ouvrages. Alors pourquoi avoir choisi l'auto-édition ? Eh bien, tout d'abord parce que c'est un moyen simple et peu coûteux de faire publier un ouvrage et de le mettre à la disposition du plus grand nombre. En ce qui me concerne, j'ai travaillé avec la société Edilivre et je dois reconnaître que la collaboration avec cette société s'est très bien passée, chacun ayant pu mettre au profit de cet ouvrage ses compétences respectives. Edilivre s'est concentré sur la fabrication de l'ouvrage, sur la mise en page, sur le référencement, et en ce qui me concerne, j'ai pu rester ainsi concentré sur le fond du sujet, sur le récit que j'ai souhaité vous raconter, sur sa forme, et bien sûr, sur l'ensemble de ses illustrations. Et j'espère que cette collaboration, eh bien, vous la ressentirez et vous l'apprécierez en lisant ce livre. Alors, le mot de la fin, eh bien, je vous souhaite à tous, chers lecteurs, de passer un très agréable moment à la découverte des aventures de Guignol à Nancy. Je souhaiterais aussi vous dire que, si vous le souhaitez, vous pouvez me faire part de vos commentaires sur cet ouvrage, de même que si vous avez d'excellents souvenirs à partager sur les spectacles de Guignol que vous avez pu voir à la pépinière de Nancy, eh bien, n'hésitez pas. Et puis, pour terminer, eh bien, je vous rappelle que j'aurai le grand plaisir de vous accueillir au Salon du Livre de Nancy, sur le stand des auto-édités, le vendredi 9 septembre, toute la journée, ainsi que le dimanche après-midi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.